Je serai super moche lors de cette vidéo. Mais. Désolée. J'ai la peine de maquiller. En plus de ça, je suis arrivée puisque je suis le grand parce que je suis. Les dash, you want a man like me. Damn, no, I damn, no, bad like me. When me say good, she went like Nikki. Me say when me say good, alright. Team on flick, 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 flick. Every team on flick, 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 flick. Salut les filles, salut les garçons, salut les entre deux. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis actuellement aveugle. La lumière tape de ouf. Et j'ai pas mes lentilles, mes lunettes, mais bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Rose Gal et Shein. Ils m'ont envoyé quelques articles que je vais vous faire montrer. Avant ça, petit placement de produits, je sais. Est-ce que. Non, vous voyez? Vous voyez ou pas? De ces mèches viennent de chez Air Market. Donc, Air Market, c'est un peu comme AliExpress, mais vraiment super. Mais vraiment que pour les cheveux. Donc il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout là-bas. Enfin, c'est un Air Market quoi. Donc c'est un magasin sur internet pour les cheveux. Il y a plusieurs marques. Donc si je veux, viennent de chez là-bas. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Mais voilà quoi. C'est des, de base, c'était des lisses. C'est des mèches lisses que j'ai bouclées parce que. Enfin, j'ai bouclé que j'ai essayé dans le truc parce que j'ai la flemme un peu du lisse. Lisse par-ci, lisse par-là. C'est bon, ok. Donc c'est là pour ça, j'aime trop, je suis pas maquillée, je suis désolée. On dirait que j'ai la même tenue que quand Aaron m'a maquillée, mais enfin c'est mon peignoir quoi, tout le monde. Donc oh, je me suis dit comme je vais faire un choix indirectement, autant pas m'habiller, parce que sinon grosse flemme, et autant aussi pas maquiller, comme ça je ne salis pas les vêtements. Bref, en tout cas je mets tous les liens de ces belles mèches en barre d'infos. Donc là, les pouces, je vais les mettre en barre d'infos parce que j'ai vraiment oublié. Ça fait longtemps que j'ai les mèches et ça fait longtemps aussi que j'ai fait la revue. Sorry, but voilà. Donc on va commencer par Shein. Et voilà, donc Shein, ils m'ont contacté encore une fois. Enfin, j'ai l'habitude de faire des partenariats avec eux. Ils m'ont contacté pour que je fasse une autre revue pour eux, et j'ai pu choisir 4 articles. Je vais commencer par celui-là, comme ça moi je pourrais garder les bas, parce que voilà, quand je suis carrément en culotte en dessous, voilà, pour éviter le haut. C'est ce short-là, attendez, je le mets bien, un short comme ça, vous voyez tout ça, il y a plein de meufs qui mettent ça sur Instagram et tout, j'ai trop kiffé. Après, il y a plein de meufs qui l'ont noir, moi je me suis dit, bon, je vais prendre beige comme ça. Avec un col roulé noir comme ceci, manche longue, la matière ça va, enfin c'est transparent quoi, enfin voilà quoi, c'est transparent, je vais pas marcher avec ça à créer parce que une grosse fesse ça déjà merde, ne me laissera jamais sortir comme ça. Et puis bah comme je vois, je me dis bon on va qu'on se tranquille sur moi. Donc on va essayer ça. Je vais le bas déjà. Bon, mon corps, comment dire, il est en construction parce que je commence à faire du sport. Attendez, je vais aller mieux parce que vraiment là je vais me faire. Je crois que je vais garder une minute pour cette vidéo. Je suis désolée parce que là je vois absolument rien. Donc voici, je crois que ouais, c'est transparent un peu. Si, là c'est comme vous voyez, ça fait ressortir mon ventre quoi. Hein, pour moi c'est ça qu'il faut que je perde. Et la trace de ma culotte est énorme. J'ai mis une grosse culotte, faites pas ça. Sinon, bah voici comment ça fait. Franchement, j'aime bien la couleur, j'aime bien la matière sur moi. Faut vraiment que je perde mon ventre. Tu vois, ça. Ça montre vraiment la marque du ventre. Mais ça, faut vraiment que je perde. Sinon, après le haut, il est bien. Les manches sont bien. Faut juste que je mette un bon soutien aussi. Mais sinon, j'aime bien. Tu peux aussi très bien mettre ça avec ce haut là, avec un long t-shirt blanc et des tongs et une banane, et je trouve que ça fait aussi bien quoi. J'aime beaucoup. Après, enfin, maintenant qu'on voit la grosse trace de ma culotte, mon gros ventre ressort,
Moi, comment ça fait? Je crois que je vais prendre le son en noir. Je suis super pas belle par contre. Je vais prendre le son en noir. Puis, bah voilà, on va passer à l'article suivant. Je les prends taille M. Hein. Je les prends taille M. Vous voyez que je suis pas du tout maigre. Et je les prends taille M. Et bah voilà. Prochain article de chez Shein. Ça, si vous me suivez sur Instagram, vous avez sûrement dû déjà le voir. Donc, c'est. Ce pantalon là, un pantalon gris comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment super beau. Après, le problème c'est que j'ai 30 taille L, il est un peu trop grand. Genre. Donc, plus ça me va, mais à la taille c'est trop petit. Du coup, ça me saoule. Donc, voilà. Et j'ai aussi pris avec donc un. Ça, j'ai déjà porté, donc désolé s'il est sale. Avec un body blanc, bah tout ça comme ça quoi. Bah, je l'avais porté la tenue comme ça chez. Bah, sur la photo sur Instagram, je vais vous laisser en bas d'info. Bah, attendez, ça je peux mettre ça au-dessus du cycliste. Il est super stretch, c'est vraiment un truc de ouf. Par contre, il fait trop de bruit quand je marche. Il est vraiment super stretch. Avec le legging, ça me sert un peu plus. Voilà, on ne doit pas tester ça. Voilà comme il est, je vais mettre ça sur la couche. Voilà. Avec ça, je trouve que ça fait bien aussi. Et le body, enfin le body, j'ai la flemme de laisser quoi. C'est un body blanc tout simple. Vous avez pu les avoir partout. Le body, je vais prendre taille M. Ça, je vais prendre taille L, il est un peu trop grand quoi. Quand je marche, il descend. Je suis toujours obligée de remonter et tout. Donc voilà, mais sinon il est bien, la qualité est bien. Mes fesses ne sont pas serrées. Donc vraiment, ça va, ça va. J'aime bien. Tous les liens, tous les 4 ans, en bas d'information. De chez Shein, j'ai reçu cette super belle robe. Attendez, ça a mis une autre mémoire. Cette super belle robe jaune, vraiment super belle. Elle est vraiment super belle. Je me dis, si tu as des petites soirées pendant le printemps, été, là, je peux bien sortir cette robe jaune. Et je trouve que le jaune sur les poudres noires, ça fait vraiment super beau. Voilà. Voici la robe. Comment elle est. Vraiment que je perds mon putain de bit là, ça me saoule. Mais c'est là par ça, par mon gros ventre, j'aime bien. J'aime bien. Mais sinon, pour ça, j'aime bien. La matière, franchement, elle est super bien. Enfin, c'est une matière stretch. Du coup, j'ai pu la prendre en taille M. Et bah, ça me va bien. Genre, ça me fit bien et tout. Donc, j'aime bien. On aime. On valide. Du coup, c'est tout ce que j'ai reçu pour le site Shein. On va passer au site Rose Gall. Bon, le site Rose Gall, il est moins coté entre guillemets que Chine, parce que Chine c'est vraiment un site chinois très coté, très connu, etc. Mais bon, pour vous faire la protéine, j'avais déjà entendu parler d'eux parce que moi je suis vraiment une adepte des sites chinois. Genre, faut vraiment savoir que les sites chinois, moi j'aime trop. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ok, je vais accepter. Et j'ai reçu. Il y a un article que j'ai pas reçu, c'était un crop top. Un crop top suite à carreaux dans le rouge, mais je sais pas où il est, je l'ai pas reçu, donc on verra s'il arrive un jour ou pas. Je suis vraiment aujourd'hui à cette vidéo, je suis vraiment désolée, mais film. Pour le moment, j'ai reçu ce haut cache-coeur. Voilà, bah, c'est un cache-coeur tout simple comme ça, avec des longs fils comme ça, que je vais essayer tout de suite. Il est un peu transparent, ouais. Donc, hein, là j'ai fait tout le tour et voici le haut. J'aime vraiment beaucoup, je l'ai vraiment un cache-coeur parce que vous voyez toutes les meufs Instagram
grave tout où les Instagram les avaient, je me suis dit boum, moi aussi j'en veux un. Je crois que je vais aussi aller le prendre en noir. Il est vraiment super beau. La matière c'est transparent mais bon, ça va. Genre là il y a la lumière un peu plus. Ça va quoi. Après si c'est des petits seins, tu peux le mettre sans soutien parce que le soutien là il compresse mes seins. Non. Donc ouais, j'aime bien, franchement j'aime bien. La couleur j'aime bien, je prends taille M. Donc, du coup ça va, il est pas truqué, les manches sont bien, elles sont bien jusqu'au bout. En plus je suis grande moi. Et bah la qualité est bien. Genre la qualité est bien, il n'y a rien de comment on dit de mauvais quoi. La qualité est super bien, c'est une qualité, tu peux retrouver c'est H&M, etc. Je mets tous les prix et les trucs en barre d'infos parce que je n'ai vraiment aucune idée des prix. Genre, ah, je vous parlais des maillots de bain parce que les maillots de bain, je vais pas les essayer ici. Quand tout le monde déjà, moi je montre assez mon corps, on va se calmer, ok. J'ai reçu deux maillots de bain. Pour maman, il y a un maillot de bain comme ceci que j'aime vraiment beaucoup. Arrivée noire et blanche comme ça. Je vais prendre taille L et il me va super bien, franchement. Il me va vraiment super bien. Et il est vraiment super beau quoi. Bah, ça m'a bien tout simple comme ça. Et j'ai pris un maillot de bain. Donc le haut c'est un bandeau blanc tout simple que je ne sais pas où il est. Faut que je le retrouve. Et le bas. Ok. Le bas donc c'est une culotte. Ouais. C'est une culotte montante comme ça. Et c'est vraiment super beau. Surtout pour les mecs vraiment. Vous voyez qu'ils ont bah, du ventre comme moi, etc. Mais des culottes qui montent jusqu'ici comme ça là, c'est vraiment vraiment. C'est vraiment 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 super beau, j'aime vraiment beaucoup. Et le blanc sur les peaux des renois, rien à dire. Top là, gris comme ça que j'aime vraiment beaucoup aussi pour l'été, etc. Moi j'aime beaucoup les crop top, je suis une adepte des crop top. Vraiment j'ai un réel point avec les crop top, mais j'aime trop les crop top donc désolé quoi. Il est vraiment super bien et le haut en fait il est en mode carré et c'est vraiment super à la mode ces derniers temps. Bon, je vais laisser encore une fois. Donc voici comment est le haut. J'ai du mal là parce que ça je le mettrai aussi sans soutif hein. Là j'ai du mal parce que bah parce qu'il y a le soutif et tout. Mais je le mettrai sans soutif parce que là non, c'est trop gonflé et j'aime pas. Mais le haut est super bien. Les manches sont un peu bouffantes comme ça. Les manches sont un peu bouffantes sur les côtés. Vous voyez c'est carré en fait. Bon soutif ici là. C'est carré et donc du coup bah, j'aime bien. Genre les manches sont un peu par contre courtes. J'ai pris en taille M encore une fois. Ça va, ça passe quoi, ça choque pas. Avec un bon petit jean taille haute, ça va bien le faire en été. Mon soutif m'énerve. On va passer à cette longue robe. Comme ceci, elle est vraiment super longue, marron. Bon, je vais essayer puis on va parler. Voici la robe. Elle est devenue, attendez, elle est un peu devenue. Par contre, ah, j'ai oublié, tirer les manches et tout. Donc elle est un peu devenue, je sais pas si vous pouvez voir, elle est vraiment super longue. Elle fait 1m70 et elle m'arrive vraiment en bas des pieds quoi. J'aime bien la couleur, j'aime bien la qualité, j'aime bien. Encore une fois, faut juste que je perde un peu mon ventre quoi. Et plus bas au moins. Super bien en été, j'aime beaucoup en été. Mettre ça avec une paire de baskets. Tranquille, je peux sortir comme ça tranquille. Après, ici en haut, vous voyez, j'ai enlevé mon soutien parce que sinon, non. Ici en haut, ça me serre un peu. Ça me serre un peu les bras et puis bah, ça va tout souvent tomber. Sinon ça va, j'aime bien. J'ai une trace là, je rêve. Le dernier article que j'ai à vous présenter, c'est cette robe là. Qui est aussi vraiment super belle. Elle fait très sensuelle. Très sensuelle, très Saint-Valentin, très juste avec ton mec ou même soirée avec tes copines quoi. Je vais l'essayer. Voici la robe. Petit problème, vous voyez, c'est trop court. Là, j'ai encore mon chandail en bas, là. C'est vraiment trop court. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une couture ici, là. Et là, je pense que là, c'est bon.
Parce que là, qui va sortir comme ça, limite, après on va avoir un enfant et tout, je suis l'enfant de quelqu'un, ok, j'ai des parents, ma mère a qui m'intéresse, non. Et même moi, je peux pas sortir comme ça, genre, marcher comme ça, non, non, genre, vraiment pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un point ici. Et là, je pense que vous voyez, là ça va, là, je peux chercher comme ça, genre. Je peux chercher comme ça, tranquille. J'aime beaucoup la voiture aussi. Après, le décolleté, vraiment, bon, il est présent. Le décolleté est là. Mais bon, moi, ça me gêne pas plus que ça. Si je suis en soirée, ça me gêne pas plus que ça de rester comme ça. La couleur, j'aime vraiment beaucoup. Et la matière, on dirait que c'est du satin, mais c'est pas du satin. C'est une matière plus lourde que du satin. Ce que j'aime pas aussi, c'est que là, c'est trop fin. C'est un peu trop fin. Mais sinon, voilà. J'aime vraiment beaucoup. Mes fesses sont pas serrées, donc c'est bien. On aime. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. Tous les liens des vêtements seront donc en barre d'infos. J'ai la robe encore en dessous, juste comment. Tous les vêtements seront donc en barre d'infos. Vous avez vu les chitinois, franchement, faut vraiment juste bien choisir ses articles pour tomber sur des belles choses. Et puis faut pas prendre des choses à risque, quoi. Si je vois des trucs à paillettes, etc., du temps que dans la vraie vie, c'est pas la même chose. Prends vraiment des trucs basiques, des trucs que tu sais que ça peut ressembler à la réalité comme sur les photos. Donc voilà, tous les liens seront donc en barre d'infos. Les noms de ces mails seront donc en barre d'infos. J'espère que la vidéo t'aura plu. J'ai essayé de faire un try on. Vous savez très bien que je suis une grosse frère merde et que de base de nom. Et voilà, je me dis vas-y, je fais un try on, c'est pas grave. Puis voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je te fais plein de gros bisous. Désolée, là je suis extrêmement moche parce que j'ai extrêmement la flemme. Mais voilà, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.